Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification ont organisé jeudi à Rabat un atelier sur la certification Fairwild qui s'inscrit dans le cadre du projet Intégration de la biodiversité dans la chaîne de valeur des plantes médicinales et aromatiques PAM au Maroc. L'intérêt de ce projet se manifeste à travers la richesse que dispose du Maroc de différentes plantes aromatiques et médicinales, soit sous forme de nappes assez importantes, soit sous forme dispersée dans la nature. Et donc, il est convenu, dans le cadre de la stratégie du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, d'essayer de valoriser cette ressource afin que les bénéfices soient distribués de façon équitable et de façon importante pour la population rurale, de l'intégrer dans un processus de bonne gestion et de bonne gouvernance pour assurer la conservation et la pérennité de cette ressource et en même temps assurer une bonne relation entre le produit marocain et le marché international. Cet atelier a été marqué par la participation des experts de différentes institutions nationales et internationales, d'organismes de développement et de recherche et d'organisations professionnelles et a débouché sur la signature du mémorandum d'accord entre la Fédération Fairwild et le Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Donc ce projet, au cours des 4 années à venir, a pour objectif une meilleure valorisation des plantes aromatiques et médicinales spontanées à travers la certification qui va nous permettre d'accéder à des marchés internationaux à forte valeur ajoutée. Et donc ça sera un bénéfice de plus pour l'économie marocaine. Mais on va aussi veiller, dans le cadre de ce projet et de ce système de certification, à ce qu'une partie de cette valeur ajoutée aille aux populations rurales qui travaillent dans la collecte des plantes aromatiques et médicinales tout au long de la journée, à travers l'intégration des différents acteurs dans la chaîne de valeur des plantes aromatiques et médicinales, et aussi à travers l'organisation des populations en coopérative et en petites entreprises communautaires. Ce projet vise à renforcer la capacité des institutions gouvernementales marocaines, des organisations non gouvernementales et des citoyens concernés afin de contribuer à la conservation de la biodiversité, la durabilité de la production et une meilleure valorisation des plantes aromatiques et médicinales.